saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Ce que mon père ne pouvait faire, ce que ma soeur ne pouvait faire, oh, il a fait pour moi, oh, il a fait pour moi. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs? Assieds-toi que je te bénisse. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Église. Amen. Nous bénissons Dieu pour ta vie ce soir. Nous célébrons Dieu pour ta présence. Il est digne d'être adoré, notre Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un que cette fin d'année ne sera pas comme l'année passée. Amen. Tout ce que tu as vécu de négatif sera transformé en choses positives au nom de Jésus. Amen. Église, tout ce qui t'arrive de mal est fonction de ce que les sorciers ont dit dans la nuit contre toi. Il suffit seulement qu'ils parlent en mal dans la nuit. Si tu es distrait, si tu ne pries pas bien, si tu n'es pas sérieux ou concentré avec Dieu, ça t'arrive. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils ont parlé négativement contre toi, il faut que nous parlons positivement aussi. Donc si dans la nuit ils ont parlé contre toi, nous allons parler contre toi aujourd'hui. Amen. Nous allons parler pour toi aujourd'hui. Et nous allons parler contre eux aujourd'hui. Amen. Tout ce qu'ils ont dit contre toi, retour à l'envoyeur. Amen. Je dis tout ce que les sorciers ont dit contre toi, retour à l'envoyeur. Amen. Et tout ce qu'on a dit en ta faveur, c'est appliqué au nom de Jésus. Amen. Je dis en cette fin d'année, Dieu va te rendre prospère au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tes mains toucheront, ça va prospérer au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu feras, ça va réussir au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu entreprendras, tu verras du succès au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons Dieu ce soir pour la vie de tous qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse, malgré la connexion qui est bizarre. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons Dieu pour ceux qui sont en Europe, en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Russie, au Luxembourg. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont au Canada, en Amérique, aux États-Unis, à Thaïlande, à Dubaï. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont en Afrique, au Cameroun, à Douala. Que Dieu vous bénisse aussi. Nous vous invitons à partager ces moments, à inviter un frère, une sœur pour ces moments de prière. Nous allons beaucoup prier cette semaine encore afin que Dieu puisse essuyer nos larmes et que Dieu puisse nous utiliser pour essuyer les larmes des autres. Amen. Je dis, Dieu va t'utiliser pour essuyer les larmes de quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Quand toi qui es connecté ce soir, tu peux inviter un ami, tu peux inviter un frère afin que Dieu puisse te faire du bien. Invite quelqu'un, c'est toujours important, Église. Je vois beaucoup de personnes qui nous suivent. Ils ne commentent jamais, ils n'invitent jamais, ils suivent, ils partent. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand que pour 99 jusqu'à l'homme besoin de repentance. Écouter un message sans le partager est diabolique. J'ai vu des gens partager les vidéos de Longuet Longuet. Des chrétiens. C'est-à-dire qu'ils partagent des vidéos de Longuet Longuet qui n'apportent rien à la vie spirituelle de quelqu'un. Mais les chrétiens ont honte de partager les vidéos de Jésus. Voyez un peu à quel niveau les chrétiens se trouvent aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qui est inutile, ils partagent les clashs de Didier Arafat. C'est-à-dire les choses qui se passent en Côte d'Ivoire qui n'ont rien à voir avec Dieu. Il y a des chrétiens que je vois souvent sur nos directs. Mais quand tu vas sur leur page, tu ne verras jamais une publication de l'Église. Tu ne verras jamais un verset biblique. Mais ils viennent par derrière en cachette chercher les délivrances. Jésus dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Père. Il y a beaucoup qui viennent à l'église, ils n'invitent pas les gens, ils n'évangélisent pas. Les gens ne savent pas que tu pries. Les gens ne savent pas que tu viens à l'église, tu viens en cachette. Si tu fais partie de ces personnes, tu ne peux rien recevoir de sérieux venant de Dieu. C'est une parole certaine. Si tu as honte de Jésus devant les hommes, il aura honte de toi devant son Père. C'est ce que tu sèmes que tu récoltes.
Tu fais une semaine, tu n'évangélises pas. Nous sommes en train de commencer une semaine spirituelle. Je suis convaincu que de lundi aujourd'hui, il y a beaucoup qui n'ont pas évangélisé. Ça ne les intéresse même pas. Ça ne les intéresse pas. Ils sont assis à l'église. Tu n'as aucun fardeau dans ton cœur de savoir qu'il y a des gens autour de toi qui souffrent, qui ont besoin d'entendre une bonne parole, qui va les restaurer, qui va les relever, qui va les fortifier, qui va les libérer. Tu n'évangélises personne. Tu es monté dans un taxi aujourd'hui, tu n'évangélisais personne. Tu es monté sur une moto aujourd'hui, tu n'as pas évangélisé le motoman alors qu'il est même malade. Tu as des collègues qui ont des problèmes. Est-ce que vous vous rendez compte que les gens n'ont plus honte d'inviter les gens chez les marabouts? Aujourd'hui, on a plus honte d'aller à l'église que d'aller chez le marabout. Les gens font plus la publicité des marabouts que de l'église. La plupart des marabouts n'ont pas besoin de faire plaque publicitaire. Ils n'ont pas besoin de faire affiche publicitaire. Ils n'ont pas besoin de faire spot publicitaire. Bouche à oreille. Il y a des marabouts au fin fond du Cameroun qui ont des clients en Europe. Comment ils font pour avoir les clients en Europe? Le bouche à oreille. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ont été bénis par la parole qu'ils écoutent, mais qui sont incapables de dire à quelqu'un, viens aussi écouter avec moi, parce qu'il a honte. On va le traiter des gens des églises. Je causais avec une soeur aujourd'hui en journée qui m'a envoyé la vidéo d'un pasteur qui a fait un programme à Paris le week-end passé. Et il a fait vraiment des choses extravagantes. Et beaucoup de chrétiens l'ont insulté. On dit c'est un faux pasteur, c'est un Ivoirien. C'est un parvenu, c'est un serviteur de Satan. J'ai dit à cette soeur aujourd'hui que c'est inutile ça. Ça ne sert à rien. Il peut ne pas être serviteur de Satan. Il a juste encore un petit problème de la chair. Comme nous tous on en a. Mais vous partez vous focaliser sur ce qui est inutile. Je lui ai dit prêchons-nous l'évangile. Sauvons ce qu'on peut sauver. Non les gens sinon on ne parle pas. Qui va parler? Prêchons l'évangile. La parole à prêcher c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et non de dire tel pasteur est entré. Pendant qu'il entrait, il y avait la fanfare. Les gens faisaient, se mettaient au garde-vous. Les gens se couchaient par terre. Nous, ça ne nous intéresse pas. Dans cette fin des temps, vous allez tout voir. Vous allez tout voir. Les chrétiens ont fait les choses les plus bizarres. Les pasteurs ont fait les choses les plus bizarres. Le plus important, c'est toi. Paul a dit à Timothée, pendant que tout le monde fera ces choses, toi, Timothée apôtre, fais l'œuvre d'un évangéliste. Peut-être que lui, il a fait ça. Nous, on peut faire pire si Dieu ne fait pas grâce. Il y a beaucoup aujourd'hui qui critiquent ce qu'ils feront demain. Peut-être tu feras plus pire que ceux qui font aujourd'hui si Dieu ne te fait pas grâce. Élie, le grand prophète de Dieu, qui a tué 850 faux prophètes, 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Élie qui a défié Jézabel, Élie qui a bloqué la pluie, Élie qui a ramené la pluie. Tu sais comment Élie conclut son ministère? Je ne suis pas meilleur que mes pères. Ça veut dire qu'Élie venait pour être meilleur que ses pères, mais ça l'a dépassé. On n'est pas sûr qu'on sera meilleur que les autres. Ce qui est important pour nous, c'est de prêcher l'évangile. Amen. Notre ministère ne fait pas ce que certains font. Mais peut-être on peut faire si Dieu ne fait pas grâce. Il y a beaucoup qui ont bien commencé, ils ont mal fini. Tu te rappelles quand tu avais 16 ans, les projets que tu avais. Aujourd'hui, tu es où? Si on compte le mal que tu as fait, ça peut remplir un quartier. Et on peut écrire les livres seulement sur le mal que tu as fait dans ta vie. Mais il y a 10 ans, tu étais tranchant dans ta parole. Tu ne fais pas le bien parce que tu es bien. Tu fais le bien parce que Dieu te fait grâce. Amen. Nous ne prêchons pas l'évangile parce que nous sommes meilleurs. Nous prêchons l'évangile parce que Dieu nous rend meilleurs. Amen. La Bible dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Personne ne fait sans le vouloir. Et qui produit le vouloir? C'est lui. Il y a un esprit dans le monde spirituel qu'on appelle l'esprit du vouloir. C'est lui qui donne cette envie de faire. De bien faire. Et lorsque cet esprit est déposé en nous, il provoque l'action de l'autre esprit qu'on appelle le faire. Et là, on commence à bien faire les choses. Dans un corps, chaque partie a son rôle. Je lui dis à cette sœur,
un pasteur comme celui-là qui agit comme ça n'est pas forcément un faux pasteur. Parce que dans son programme, j'ai vu les gens délivrés. J'ai écouté des témoignages des gens dans son programme. Mais les gens se sont focalisés sur l'entrée, n'ont pas parlé du milieu. J'imagine quand Jésus entrait à Jérusalem avec l'âne, on mettait les habits au sol, les gens se couchaient au sol. Beaucoup ont dit, ben ça c'est blasphème contre Dieu. Mais n'ont pas vu tout ce que Jésus a fait dans son ministère. Ce qui intéresse les gens, ce n'est pas ce que tu fais de bien, mais c'est ce que tu fais de mal. C'est pour ça que l'église, si nous sommes appelés à prêcher la bonne nouvelle, focalisons-nous sur le bien. Parlons du bien et rejetons le mal. Amen. Tous ceux qui ont critiqué ce pasteur, je ne suis pas sûr que Dieu ait envoyé inbox un message d'amour à ce pasteur. Avant de critiquer quelqu'un en public, prie d'abord pour lui en privé. Yes. Si tu n'as pas prié pour quelqu'un en privé, ne le critique jamais en public parce que tu es un sorcier, tu es un pharisien, tu es un scribe. Tu as prié ce jour pour combien de mauvaises personnes? Avant de dire non, les gens pêchent trop. Les gens sont trop, il faut que Dieu frappe. J'ai posé la question à quelqu'un un jour. Si Dieu frappe, il va te laisser. Si Dieu frappe maintenant, je vous pose la question, église. Si Dieu frappe maintenant, toi, tu serais épargné. Vous voulez que Dieu frappe vraiment? Il faut que Dieu tape la main sur la table dans ce pays. Trop, c'est trop. Il y a trop de faux pasteurs. Il y a trop de fausses églises. Il y a trop de faux ceci. Je te pose la question. Tu connais ce que tu as fait hier. Si Dieu frappe, tu serais épargné. Vous savez comment les gens sont bizarres? Juste parce qu'on veut montrer aux gens en public qu'on partage. J'ai dit, mon ami, moi, je ne vais pas la qualité de choses là. Quand Dieu te fait grâce, tu es humble. Et la plupart des gens, Dieu a utilisé fortement, c'est les gens qui avaient un passé bizarre. Et non les gens qui étaient saints, qui sont nés saints, qui ont grandi saints, qui ont pourri saints. Tout est saint chez lui. Bandit, menteur, escroc, voleur, tu manques. Hypocrite. Tu es vraiment déguisé en Halloween. Alléluia. Ce qui est important pour nous, c'est de partager nos messages. C'est d'évangéliser, c'est de sauver les âmes. Dieu fera le reste. Amen. Romains 14, verset 4 dit, qui es-tu toi qui joues un serviteur de truie? Si tombe, il se relève, cela regarde son maître, et son maître a la capacité de l'affermir, parce que même s'il tombe, il se tiendra debout. Dieu dit que tous ses serviteurs finiront par se tenir debout. Tous ses serviteurs finiront par se tenir. Donc, même si tu vois un serviteur de tomber, un jour, son maître le maintiendra debout. Fais attention, église. Je vous dis, beaucoup de pasteurs vous induisent en erreur. Beaucoup de pasteurs vous induisent en erreur pour parler des futilités. Tu vois un pasteur couché par terre, si c'est un serviteur de Dieu, laisse son maître gérer son affaire. Laisse celui qui l'a appelé gérer son affaire. Moïse déjà mort, Dieu a envoyé l'ange venir prendre le corps. Les serviteurs de Dieu, il ne faut pas s'amuser. Même si tu vois, il a dégamé, il a dérangé, laisse l'affaire. C'est une affaire entre Dieu et lui. C'est pour ça que je vous dis souvent, même quand vous quittez les églises pour arriver dans une autre église, en quittant l'église là, même si tu as vu le diable avant personne, rends grâce à Dieu de t'avoir sauvé. Ferme ta bouche, continue ta vie. Ne sabote pas, mon ami. Dieu peut te tuer parce que tu as saboté un faux pasteur. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Dieu peut te punir parce que tu as saboté un faux pasteur. Je ne parle pas d'un vrai, je parle d'un faux pasteur. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de faux pasteurs qui ont poussé les gens à lire la Bible? Dieu utilise qui veut, même les faux. Attends, bon, Dieu n'utilise pas les faux pasteurs. Mais tu veux me faire croire que Dieu utilise les ânes? Si Dieu peut utiliser Annès, Annès a parlé pour lui. Pourquoi faux pasteur pas parler pour lui? Yes. Il y a beaucoup à la fin qui diront, n'avons-nous pas prophétisé en son nom? Je te pose la question. Pourquoi quand ils prophétisaient en son nom, Jésus ne les avait pas bloqués? Parce qu'il les utilisait. Dieu utilise parfois ses serviteurs comme des serpillères. C'est lui qui va les rejeter. Toi, tu es qui pour les rejeter? Ce n'est pas toi qui l'as appelé. Quand l'ânesse a parlé à Balaam, Balaam a tapé l'ânesse. Dieu a frappé Balaam. Je ne te parle pas d'un animal, je ne te parle pas d'un faux pasteur. Saül était rejeté par Dieu. David a dit, je ne ferai pas point de mal à loin de l'Éternel. David connaissait c'est quoi loin de l'Éternel.
Saül était déjà dans le faux, il était dans la divination, rejeté par Dieu. Mais aucun homme, si un homme touchait Saül, David est allé jusqu'à tuer quelqu'un parce qu'il a parlé mal contre Saül, il a voulu tuer Saül. Faites attention, Église. Vous devez être enseigné, c'est pour ça que pendant nos cultes, il faut qu'on s'arrête pour enseigner l'Église. Même quand tu quitteras ici, tu nous écouteras, plus tu dois rester avec l'enseignement. J'invite une personne à partager ces moments, c'est important, Église. C'est important, avant de commencer, nous devons partager, inviter nos frères, inviter nos sœurs, afin que Dieu puisse nous bénir d'une manière certaine. Jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. À jamais tu seras. À jamais tu seras. Oh, oh, à jamais tu seras. L'agneau sur le cou. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer, toi seul. À jamais, à jamais, à jamais. À jamais tu L'agneau sur le dos. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer, toi. Alléluia. Nous sommes dans la joie ce soir pour ta présence encore. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous prêchons sur les saints lamentations de Jérémie. Jérémie s'est lamenté 5 fois et ça a produit à plusieurs moments l'absinthe dans sa vie. Jérémie a été un prophète qui a travaillé, qui a vu pendant l'exercice de son ministère. Je rappelle qu'il a servi le Seigneur pendant 50 ans. Jérémie a prêché l'évangile à partir de l'âge de 20 ans. Il a été appelé très tôt. C'est pour ça que j'ai vu des personnes dire non, est-ce que c'est normal qu'il prêche l'évangile tôt comme ça? À 17 ans, pourquoi il peut prêcher? À 20 ans, pour qui il peut prêcher? À 30 ans, pour qui il peut prêcher? C'est pourquoi il est un jeune pasteur comme ça, une jeune prophétesse. Jérémie n'a pas commencé à 30 ans comme Jésus. Jérémie a commencé à 20 ans. Et il a servi le Seigneur pendant 50 ans. Il a eu la grâce de voir 5 rois passer pendant qu'il rendait ministère. Et Jérémie a passé son temps, comme plusieurs le font, à dénoncer ce qui est négatif. Mais la différence entre plusieurs et Jérémie, c'est qu'il ne dénonçait pas ce qui était négatif, mais il se lamentait auprès du Seigneur. Ce programme n'est pas seulement pour ta délivrance, mais c'est pour aussi que Dieu t'utilise pour la délivrance des autres. Dieu, pour qu'il t'utilise pour délivrer les autres, a besoin de voir ton cœur aimer ces personnes. Lorsque tu remarques que dans ta nation, les gens vivent mal, lorsque tu remarques que dans ton lieu de service, les gens vivent mal, lorsque tu remarques que dans ton quartier, dans ta famille, les gens font ce qui est mal, tu n'es pas là pour les dénoncer, tu es là pour les aimer. J'ai toujours dit, avant de dénoncer, il faut d'abord annoncer. Dieu ne nous a pas appelés pour prêcher l'évangile de dénonciation, mais pour annoncer la bonne nouvelle. Toute personne qui dénonce sans annoncer, c'est le diable. Parce que exposer les œuvres du diable sans présenter l'œuvre du Seigneur, c'est faire le travail du diable. Parce que plus tu parles du diable, plus tu parles du péché, plus tu parles de l'enfer, plus tu parles de la mort, ça ne sauve personne. Jésus, le premier message qu'il vient de délivrer en ouvrant le livre d'Ésaïe, dans le livre de Luc chapitre 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer, pas pour dénoncer. Jésus n'a pas commencé par dénoncer, il a commencé par annoncer.
Jérémie dénonçait, mais Jérémie a d'abord annoncé. Jérémie se tournait vers le Seigneur, Jérémie pleurait. Dieu veut dans cette nation, Dieu veut dans ce monde des personnes qui aiment l'homme. Pas des personnes qui, actuellement sur Internet, ils sont en train de déshabiller un journaliste. Et tu vois des gens faire comme s'ils sont tellement fâchés contre le journaliste. Mais combien de fois vous avez conseillé une personne? Combien de fois vous avez prié pour une personne? Aujourd'hui, Facebook et les réseaux sociaux sont utilisés pour détruire les réputations, pour détruire les vies et non pour apporter la solution. Tous ceux qui détruisent ce journaliste par ces informations ne sont pas prêts à cotiser pour aller donner, pour aider la jeune fille en question. Quand tu es trop fâché par rapport à l'acte négatif que quelqu'un a fait à une autre personne, pendant que tu dénonces l'acte négatif, fais aussi quelque chose de positif pour la victime. Ce qui se passe généralement dans nos familles, quand quelqu'un meurt, à l'instant on pleure, oh vraiment les orphelins, ils sont restés très jeunes, les petits enfants comme ça. Dès qu'on enterre le concerné, tous ceux qui ont pleuré, les orphelins les oublient. Avant de dénoncer, il faut annoncer. Je vous ai dit, église, une personne à qui on dit tu iras en enfer parce que tu pèches, tu ne l'as rien dit. Je reprends et j'insiste. Dis à quelqu'un tu iras en enfer parce que tu pèches, tu n'as rien fait. C'est comme si tu rappelais à quelqu'un que 1 plus 1 égale 2. Lorsque tu reconnais, tu vois une personne qui pêche, parle-lui de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Si l'évangile que nous prêchons aujourd'hui a perdu l'impact, a perdu de la puissance, c'est parce que nous prêchons l'évangile de Jonas. L'évangile pour se faire voir, l'évangile pour montrer que c'est nous les meilleurs, l'évangile pour montrer que c'est nous qui avons la vérité, l'évangile pour montrer que c'est nous qui connaissons Dieu, et non l'évangile de l'amour. Jérémie s'est lamenté 5 fois. Il a pleuré devant Dieu. Premièrement parce qu'il a vu comment la ville de Jérusalem était détruite. Combien de fois tu vas dans ton village, tu remarques pas que les jeunes ne sont rien. Tu remarques pas que les membres de ta famille, personne ne travaille. Tu ne remarques pas que dans le village, il n'y a que les tombes, il n'y a pas de maison nouvellement construite. Aujourd'hui, dans nos villages, il y a de nouvelles tombes chaque semaine, chaque mois, mais il n'y a pas de nouvelles maisons. Tu ne pleures pas devant Dieu pour ça. Dieu ne te donnera pas la puissance pour combattre la sorcellerie si tu n'as peut-être pas lamenté par rapport à la venue des membres de ta famille, de ton entourage, de ta nation. Dieu n'a plus besoin des combattants qui ont le cœur dur. Il a besoin des combattants qui ont un cœur tendre. Le combat que nous faisons n'est pas un combat de haine, c'est un combat d'amour. Dieu te permettra d'avoir des richesses, les bénédictions, la protection, l'élévation, pas pour te faire voir, mais pour aider, mais pour soutenir, mais pour changer les vies des gens. Dieu te fera pousser les autres personnes à rire quand tu te seras au préalable lamenté pour leur vie. Avant de faire rire les gens, tu dois te lamenter pour eux. Pas pour te faire voir devant les gens, mais dans le secret, dans le silence, dans la prière. Très peu de personnes, lorsque Dieu leur montre des visions sur leur pays, comment la guerre arrive, comment les problèmes arrivent, très peu de personnes rentrent dans le secret, font des sacrifices pour ça. Mais beaucoup de personnes chercheront à aller à la télé pour dire Dieu m'a révélé, il faut que les autorités viennent me voir, il faut qu'on me donne l'argent. Pas parce qu'il aime, mais parce qu'il veut manger. Nous sommes arrivés à une époque où l'église doit devenir sérieuse. Dieu connaît nos cœurs, il connaît notre banditisme, il connaît notre malhonnêteté. Cet évangile, nous prêchons pour faire plaisir aux gens, pour faire plaisir aux dirigeants, pour faire plaisir aux gens qui nous regardent. Arrêtons ça, pleurons devant Dieu. Jérémie fait partie des prophètes qui ont combattu les prophéties des autres. Pas parce qu'il était un combattant des prophéties, mais parce qu'il regardait. Comment est-ce qu'on pouvait venir prophétiser sur des personnes le bonheur alors que le malheur arrive? Est-ce que tu sais que lorsqu'on prophétise bonheur sur toi et que tu vis dans le péché, c'est pour en te tuer? Est-ce que tu sais que lorsqu'on prophétise élévation sur toi et que tu ne fais que t'enfoncer dans ton péché, on est en train de te détruire? Il n'est pas interdit de pécher, mais il est interdit de rester dans son péché.
Tu ne veux pas dire, bon, en fait, quand je dis n'est pas interdit de pécher, je suis en train de vouloir dire, il est possible que tu pèches. Ça peut arriver que tu pèches. Mais le problème, c'est de se plaire. Le problème, c'est d'apprécier le péché. Le péché ne deviendra jamais la vérité. Le péché restera et demeurera le péché. Le péché reste et demeure le péché. Jérémie a vu la ruine, deuxième lamentation de Jérémie. Après avoir vu la destruction de Jérusalem, Jérémie a vu la ruine. Jérémie chapitre 2, lamentation de Jérémie chapitre 2. À partir du premier verset, il est écrit: et quoi? Le Seigneur, dans sa colère, a ouvert de nuages la fille de Sion. A couvert de nuages la fille de Sion. Il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël. Il ne s'est pas souvenu de son marchepied au jour de sa colère. Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob. Il a dans sa fureur renversé les forteresses de la fille de Juda. Il y a un temps dans la vie où c'est le diable qui nous détruit. Il y a un temps dans la vie où c'est les sorciers qui nous détruisent. Il y a un autre temps où c'est Dieu lui-même. J'ai l'habitude de dire que si tu tombes entre les mains d'un démon, un ange peut te sauver. Si tu tombes entre les mains de Satan, Dieu peut te sauver. Ou un archange. Mais si tu tombes entre les mains de Dieu, personne ne peut te sauver. Péché, ce n'est pas seulement mentir, voler. Péché, c'est manquer le but. Une personne qui ne ment pas, qui ne vole pas, qui ne fornique pas, qui ne se masturbe pas, qui ne fait pas tout ce que vous dites là, mais qui n'est pas dans sa destinée en train de pécher. Une personne qui est sur la terre, qui a été appelée pour construire ses orphelinats, qui a été appelée pour bénir les gens, pour payer l'école aux gens, et qui ne le fait pas, est en train de pécher. Jérémie a vu comment des gens qui étaient appelés à faire des choses pour Dieu, mais qui n'ont pas pu le faire. Il a vu comment Dieu, après, s'est retourné contre ces personnes. Et Jérémie a commencé à pleurer. Quelqu'un me dira, je ne suis pas concerné parce que je ne mens pas. Je ne suis pas concerné parce que je ne vole pas. Je ne suis pas concerné parce que je ne tue pas. Je ne suis pas concerné parce que, mais je te dis, Église, si tu sais que tu as une mission à accomplir, en cette année qui est passée, Dieu t'a parlé le 1er janvier. Il t'a dit, voilà ce que je ferai au travers de ta vie. Si en ce jour, tu ne l'as pas encore fait, tu as péché. Toute personne appelée par Dieu, il dit à ce Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. Donc Jérémie, tu n'as pas droit à l'erreur, tu dois prophétiser. On ne prophétise pas parce qu'on veut, on prophétise parce qu'on est consacré à le faire avant le ventre de la mère. Yes. Si Jérémie a été prophète avant le ventre de sa mère, laisse-moi te dire que si tu es appelé à vivre riche sur la terre, tu as été enrichi avant d'entrer le ventre de ta mère. Si Jérémie a été prophète avant d'entrer le ventre de ta mère, laisse-moi te dire que si sur la terre Dieu t'a prédestiné à vivre dans la gloire, tu es déjà dans cette gloire. Le seul problème, c'est qu'il faut que cette gloire quitte du spirituel au physique. Il faut qu'elle se manifeste. Si elle ne se manifeste pas, tu es en train de pécher. Nous entrons dans un moment de prière où chacun doit demander à Dieu de pousser cette prophétie, de pousser ce vœu divin à l'exaucement, à la manifestation. Pécher, c'est manquer le but. Combien parmi nous sont actuellement en train de faire ce qu'ils devaient faire? Je pose la question autrement. Combien parmi nous sont actuellement dans le pays où ils devaient être? Tu es sûr que comme tu es né Camerounais, tu devais être au Cameroun actuellement? Moi, je te pose la question.
Il y a des gens, ils passent leur journée à rêver. Une soeur me dit, elle ne comprend pas comment elle a rêvé. Elle rêve seulement qu'elle avait, elle est mariée. Elle rêve qu'elle, il y a des rêves où tu es marié, ce n'est pas un démon. C'est que je te montre qu'à l'instant présent, tu devais être marié. Mais il y a un problème. Pourquoi dans le spirituel, Dieu te voit marié, mais physiquement, tu es célibataire? Je dis, cette semaine, cette erreur sera corrigée. Amen. Tout ce que tu as appelé à faire, yes, tout ce que tu as appelé à vivre, yes, et que le diable t'a empêché de faire, je prophétise par l'onction de Dieu. Yes. Cette semaine, l'erreur-là sera corrigée. Amen. Je dis, cette semaine, ce péché va te quitter. Amen. Je prophétise par l'onction de Dieu. Yes. Je prophétise par la puissance de Dieu. Yes. Tu vas arrêter de faire ce que les hommes veulent, mais tu feras ce que Dieu veut. Amen. Tout dessein de Dieu dans ta vie, yes, tout projet de Dieu dans ta vie, yes, ça s'accomplira cette semaine au nom de Jésus. Amen. Je prophétise, yes, cette année ne finira pas, yes, tu entreras dans ta destinée. Amen. Cette année ne finira pas, yes, tu feras l'œuvre de Dieu. Amen. Je prophétise, yes, je déclare, yes, tout ce que Dieu t'a montré, tout ce que Dieu t'a dit, tu le feras. Amen. Je dis tu le feras. Amen. Je dis tu le feras. Amen. Je dis tu le feras. Amen. À cette église. Non mais sois sérieux. Tu vas un peu t'énerver. Il y a des gens ici, Dieu leur a montré. Dieu leur a montré des choses. Ils ont vu dans la vision. C'est pas un pasteur qui t'a dit. C'est pas un prophète qui t'a dit. C'est pas un homme qui t'a dit. Mais c'est Dieu qui t'a dit. Mais depuis que Dieu t'a dit, si rien ne se passe, je dis ce soir, yes, ce que Dieu t'a dit, ça va arriver. Amen. Je dis ce que Dieu t'a dit, ça va se passer. Amen. Je prophétise. Yes. Je déclare. Yes. Même s'il y a une main noire, même s'il y a un sorcier, hey, qui te maintient sur place, hey, qui te maintient derrière, hey, je déclare. Yes. By fire, by force. By fire, by force. Yes. Tu vas servir Dieu. Amen. Tu serviras Dieu. Amen. Tu serviras Dieu. Amen. En construisant ces orphelinats. Amen. Je dis tu serviras Dieu. Yes. En construisant ces orphelinats. Amen. Je dis tu serviras Dieu. Yes. En finançant ces orphelinats. Amen. Je vois quelqu'un ici. Tu vas financer les ONG. Yes. Je dis tu serviras Dieu. Yes. En guérissant les malades. Amen. Je dis tu serviras Dieu. Yes. En faisant le bien aux pauvres. Amen. Je dis tu serviras Dieu. Yes. En aidant ceux qui souffrent. Amen. Je dis tu serviras Dieu. Yes. En prêchant l'évangile. Amen. Je dis tu serviras Dieu. Yes. À partir de ce soir. Yes. Tout sorcier qui te maintient dans le refroidissement. Hey. Tu veux servir Dieu le matin. Yes. Mais à midi tu es refroidi. Hey. Parce que tu as envoûté. Hey. Par un sorcier. Hey. Je prophétise. Yes. Je déclare. Yes. Ce soir. Ce soir. La main de Dieu te libère. Amen. Ce soir. Yes. La main de Dieu te délivre. Amen. Je déclare. Yes. By fire, by force. Yes. Je t'ai donné la voix. Mm. Pour chanter, yes, et pour libérer les gens, yes, mais depuis là tu ne sais pas, hey, tu ne sais pas, hey, avec cette voix, hey, tu as appelé à prêcher, yes, à chanter, yes, à prophétiser, yes. Je vois trois personnes sous le son de ma voix, yes, tu as une voix prophétique, hey. Tu as une voix prophétique. Yes. Tu as une voix prophétique. Yes. Mais ta voix ne sert pas. Hey. Mais ta voix n'est pas utile. Hey. Je déclare. Yes. By fire. By fire. By fire. By fire. By fire. Ta voix sera utile. Amen. Je parle aux trois personnes. Je déclare. Yes. À partir de maintenant, yes, lorsque tu chanteras, yes, les guérisons vont s'opérer. Amen. Lorsque tu chanteras, yes, les guérisons vont s'opérer. Amen. Pendant que je parle, yes, mon Dieu amplifie ta voix. Amen. Il met le feu dans ta voix. Yes. Il met l'onction dans ta voix. Yes. Il met la puissance dans ta voix. Yes. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Amen. Reçois cette onction. Yes. Reçois cette onction. Yes. Il y a des personnes ici. Lève tes mains, je prophétise. Yes. Il y a des personnes ici. Quand tu étais né, Dieu a mis la gloire sur tes cheveux. Dieu a mis la gloire sur tes cheveux. Et un sorcier est venu couper tes cheveux pour envoûter ta vie, pour détruire la gloire de Dieu. Mais je prophétise, yes, comme Samson, yes, tes cheveux repousseront. Amen. Je dis tes cheveux repousseront. Amen. La gloire que Dieu a mis sur tes cheveux, quel qu'en soit le laboratoire mystique, yes, où on a enfermé tes cheveux, yes, j'envoie le feu là-bas. Yes. 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 Je prophétise, yes, la gloire que Dieu a mis sur ta tête. Yes.
la gloire que tu as mis sur ta tête. Yes. Pendant que je parle, l'onction descend sur cette personne. Puissance de Dieu. Maintenant. Pendant que je parle. Tout cheveu qu'on a coupé sur ta tête. Qui représente ta gloire. Je remets ça en place. Au nom de Jésus. Je prophétise. Je déclare. Par l'onction de Dieu. Tout ce que les sorciers ont fait. Qui t'empêche de servir Dieu. Qui t'empêche de faire la volonté de Dieu. Qui t'empêche de marcher dans les voies de Dieu. J'enlève ça sur toi. Je te libère. Je prophétise. À partir de maintenant, même si Satan a ruiné ta famille, Dieu met entre tes mains l'onction pour rebâtir. Je parle à 12 personnes. Tu as vu des gens dans ta famille être ruinés financièrement. Les foyers ruinés. Les affaires ruinées. Les destinées ruinées. Mais à partir de maintenant, dans ta bouche, sur tes mains, tu reçois l'onction. Pour bâtir. Pour bâtir. Puissance de Dieu. Maintenant, pendant que je parle, je déclare. Grâce à toi, il y a des gens qui auront des abris. Il y a des gens qui iront à l'école. Il y a des gens qui voyageront. Il y a des gens qui travailleront. Je prophétise. Tu entres dans ta destinée. Tu commences ton ministère. Je parle à quelqu'un. Ta main a trop souffert. Ta main a trop pleuré. Je prophétise. Tu vas essuyer les larmes de ta mère. Je déclare par l'onction de Dieu. Par la puissance de Dieu. Pendant que je parle. L'onction de Dieu te remplit. Tu seras utile dans ce pays. Amen. Dans ta nation. Yes. Tu seras utilisé. Pour apporter la paix. Yes. Pour apporter la joie. Pour apporter la grâce. Je déclare. Yes. Tu apporteras la grâce. Yes. La paix. Amen. La stabilité. Amen. La tranquillité. Amen. La libération. Amen. La délivrance. Amen. Je déclare par ta présence. Par ta présence. Aussi vrai que Jérémie veut dire. Dieu élève. Je prophétise. Dieu va t'utiliser pour élever les gens. Dieu va t'utiliser pour élever les gens. Reçois. Prends ça. Je déclare. Dieu va t'utiliser. Dans ta famille. Grâce à ton mariage, les autres marieront. Reçois. Après ta bénédiction. Après ton élévation. Quand tu seras dans ton foyer. Le foyer que Dieu t'a donné, les autres entreront aussi. Amen. Je vois 12 personnes être bénies derrière toi. Reçois. Puissance de Dieu. Ta bénédiction fera du bien aux autres. Reçois. Ton élévation fera du bien aux autres. Maintenant. Prends ta part, puissance de Dieu, libère, reçois ta part, prends ta part, je prophétise, Dieu active l'onction sur ta vie, ta bénédiction fera du bien à ta mère. Je déclare, là où ta main a échoué, toi tu réussiras, là où elle n'est pas arrivée, tu la feras arriver, tu lui feras arriver, tu permettras qu'elle arrive. Maintenant, prends ta part, Reçois, puissance de Dieu. Je déclare par l'onction de Dieu. Ton étoile brillera. Tous ceux qui sont bloqués en te maudissant, je renvoie ça sur eux. Maintenant. Et je déclare, ça brille. Tu brilles. Prends l'onction de Dieu. Puissance de Dieu. Reçois. Lève tes mains, je déclare. Par l'onction de Dieu. Par la puissance de Dieu. Tout ce que tu dois faire.
tout ce que le Seigneur doit faire yes. au travers de ta vie. Yes. Ça se manifeste. Amen. Ça se manifeste. Amen. Là où ta mère n'a pas fait. Là où ton père n'a pas pu faire. Yes. Tu feras. Amen. Là où ils ont vendu yes. certains membres de ta famille. Par tes prières. Par tes sacrifices. Tu vas les racheter. Amen. Le Seigneur va les racheter. Amen. Maintenant. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois. Je vois des enfants de la rue que tu prends dans la main et que tu amènes. Yes. Que tu nourris. Yes. Que tu laves. Yes. Que tu nettoies. Yes. Que tu oins. Yes. Que tu aides. Yes. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois. Par l'onction de Dieu. Yes. Lève tes mains, Église. Lève tes mains. Lève tes mains. Reste concentré. J'ai besoin de ton toucher. Yes. J'ai besoin de ta grâce. Est-ce que tu peux lever tes mains ce soir? Touche-moi encore une fois. Touche-moi, Seigneur. Oh, touche-moi, touche-moi, papa. Et... touche-moi encore une fois, Seigneur. Touche-moi, Seigneur, touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Et... touche-moi, papa. Seigneur. Oh, j'ai besoin de ton toucher. J'ai besoin de ta grâce. Prends. Yes. 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 Prends. Yes. Onction de Dieu. Rempli. Puissance de Dieu. Rempli. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Yes. Reçois. Yes. Reçois. Yes. Reçois. Reçois. C'est ça. Reçois. Prends. Reçois. Puissance de Dieu. Puissance. Touche-moi. Touche-moi. J'ai besoin de ton toucher. J'ai besoin de ta grâce. Je prophétise ce soir yes. par l'onction de Dieu. Dieu t'utilisera yes. pour essuyer les larmes des gens. Amen. Je déclare yes. Dieu t'utilisera yes. pour essuyer les larmes des gens. Amen. Dieu t'utilisera yes. pour essuyer les larmes des gens. Amen. Je dis yes. il t'utilisera Amen. Pour essuyer les larmes des gens. Yes. Reçois cette onction. Reçois. Reçois cette onction. Reçois. Reçois cette onction. Reçois. Je parle à 14 personnes. 14 personnes. 14 personnes. 14 personnes. Tu essuieras les larmes des orphelins. Amen. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Tu essuieras les larmes des orphelins. Amen. Tu essuieras les larmes des pauvres. Yes. Parce que Dieu va te bénir. Amen. Parce que Dieu changera ta vie. Amen. Je mets l'onction sur ta vie. Yes. Je déclare yes. l'onction de la faveur. La faveur. L'onction de la grâce. Inonde de ta vie. Amen. Dieu t'utilisera yes. pour libérer yes. les gens de la captivité. Amen. Dieu t'utilisera yes. pour enrichir les pauvres. Yes. Dieu t'utilisera yes. pour libérer les pauvres. Amen. Pour guérir les malades. Amen. Reçois cette onction. Yes. Reçois cette onction. Yes. Je prophétise yes. par ta parole, yes. par l'évangile que tu prêcheras. Yes. Des filles comme toi seront libérées. Amen. Des filles comme toi seront libérées. Amen. Reçois cette onction. Dieu t'utilisera yes. pour libérer les filles. Amen. Pour délivrer, Amen. Pour restaurer. Amen. Dieu t'utilisera dans l'évangélisation. Yes. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Dans la vie de 22 personnes. 22 personnes. L'onction de l'évangélisation. Yes. Accompagnée du don de miracles. Yes. Dans la vie de 22 personnes. 22 personnes. Pendant que je parle. Yes. Pendant que je parle. Yes. Le don de miracles. Yes. Toi qui veux évangéliser pour sauver les âmes. Le don de miracles. Yes. Le don de miracles. Yes. Dans la vie de 22 personnes. 22 personnes. Je prophétise. Yes. Maintenant. Maintenant. Saint-Esprit. Localise. 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 Saisis-les. Saisis. Touche-les. Touche. Touche-les. Touche. Touche-les. Touche. Touche-les. Touche. 22 personnes. 22 personnes. Saint-Esprit. Localise. 22 personnes. Remplis.
d'utiliser pour évangéliser, pour sauver, pour libérer, pour délivrer. Je te vois évangéliser dans les avions. Tu devrais évangéliser dans les aéroports parce que tu voyageras à tout moment. Je prophétise. Je parle à 22 évangélistes. Je parle à 22 évangélistes. Donc tu vas voyager dans le monde entier et tu vas sauver les âmes. Amen. Tu voyageras aux États-Unis. Tu sauveras les gens là-bas. Amen. Au Canada. En Europe. En Asie. En Afrique. Dans les villages. Tu sauveras les gens. Amen. Je parle à 22 personnes. Puissance de Dieu. Localise. Touche-les. Touche. 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 Je parle à 22 personnes. 22 personnes. Les dons de miracles. Ah. Tu guériras les maladies incurables. Yes. Même s'ils ont le sida. Hey. Tu vas les guérir. Amen. Même s'ils ont les cancers. Yes. Par ton évangile. Yes. Ils seront guéris. Amen. Je parle à 22 personnes. 22 personnes. Dieu va te donner l'argent. Yes. Tu vas financer l'œuvre de Dieu. Yes. Je parle à 22 personnes. 22 personnes. Tu évangéliseras en finançant l'œuvre. Amen. Je parle à 22 personnes. 22 personnes. Je parle à 22 personnes. 22 personnes. Puissance de Dieu. Localise. 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 Reçois. 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 Maintenant. Reçois. Lève tes mains. Reçois. Je prophétise. Yes. Par l'onction de Dieu. Yes. Par l'onction de Dieu. Yes. Mon Dieu t'utilise. Amen. Il va t'utiliser. Amen. Tu vas libérer les vies. Libérer les vies. Amen. Libérer les vies. Amen. Libérer les vies. Amen. Brasse ça. Reçois. Onction de Dieu. Remplis. Puissance de Dieu. Remplis. Libère. Libère. Lève tes mains. Yeah. Je déclare. Yes. Par l'onction de Dieu. Yes. Par la puissance de Dieu. Yes. Par l'autorité de Dieu. Yes. Dieu va t'utiliser. Amen. Il va t'utiliser. Amen. Dans le monde entier. Yes. Pour libérer les vies. Yes. Pour libérer les vies. Amen. Pour libérer les vies. Amen. Je prophétise. Yes. Tous ceux qui ont les vies ruinées. Dieu va t'utiliser pour les rebâtir. Amen. Toute personne ruinée par les maladies, par ta parole, celle que tu vas prêcher, ils seront rebâtis. Amen. Toute personne ruinée par les démons, par la sorcellerie, par ce que tu prêcheras, ces personnes seront relevées. Amen. Je parle à quelqu'un. Yes. Je déclare. Yes. Dieu va t'utiliser comme Jérémie. Comme Jérémie, tu rebâtiras sur d'anciennes ruines. Amen. Sur d'anciennes ruines. Amen. Sur d'anciennes ruines. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare. Yes. Prends ton mouchoir. Mm. Je prophétise. Yes. Par l'onction de Dieu. Yes. Tu essuieras les larmes des gens. Amen. Tu essuieras les larmes des gens. Amen. Soulève. Mets ton mouchoir sur la tête. Je déclare par l'onction de Dieu. Mm. Je commence par prophétiser sur ta vie toi-même. Toute larme que tu as versée. À cause des situations qui perdurent, à cause des gens qui te font du mal, à cause des échecs répétés, à cause du célibat chronique, à cause des maladies incurables, je prophétise. Yes. Mmh. Fais l'effort d'avoir le mouchoir. Hey. Mets ton mouchoir sur la tête. Lève tes mains ce soir. Yeah. Yeah. Oh. Oh. Yeah. Yeah. Yeah.
Tu lèves tes mains ce soir, je déclare tout ce qui te fait constamment pleurer, ce qui a fait pleurer ta mère, ce qui a fait pleurer ton père, ce qui fait pleurer les membres de ta famille, cette sorcellerie qui ne veut pas s'arrêter, cette sorcellerie qui ruine la famille, cette sorcellerie qui déstabilise l'amour dans la famille, je prophétise. Yes. Ça s'arrête ce soir. Amen. Ça s'arrête ce soir. Amen. Ça s'arrête ce soir. Amen. Je déclare dans ta vie. Yes. Je déclare sur ta vie. Yes. Ce qui t'a fait pleurer encore hier. Hey. Ce qui t'a fait pleurer encore hier. Même dans les rêves, tu pleures. En journée, tu pleures. Dans la nuit, tu pleures. Parce qu'on dit tu es malade. Hey. Parce qu'on dit tu es malade. Parce qu'on dit tu es malade. Je présente ce soir. Yes. Jéhovah Rapha. Yes. Jéhovah Rapha. Yes. Toute personne sous le son de ma voix. Parmi ceux qui sont connectés. Je parle à 450 personnes. Yes. 450. Guérison automatique. Maintenant. Guérison automatique. Maintenant. Toute maladie qui te fait pleurer. Hey. Je prophétise. Yes. Jéhovah Rapha. Yes. Te guérit. Amen. Jéhovah Rapha. Yes. Te guérit. Amen. Toute maladie, yes. Toute maladie héréditaire, hey. Dans votre famille, yes. Les gens meurent de diabète, d'hépatite, d'hypertension, de VIH, de cancer, de sida, de sida. Les gens meurent de sida. Je te libère. Libérez. Pendant que je parle, yes. Jéhovah Rapha, yes. Te guérit. Amen. Je prophétise, yes. Toute personne sous le son de ma voix, yes. À qui on a imposé la stérilité, hey. Elisabeth a pleuré, Elisabeth a pleuré, yes. Marie a pleuré, yes. Mais l'heure était venue où elle devait enfanter, yes. Des prophètes. Amen. Je parle à quelqu'un, yes. Je parle à quelqu'un, yes. Je parle à quelqu'un, yes. Un prophète sortira de ton ventre. Un prophète sortira de ton ventre. Amen. Je prophétise. Yes. Tu enfanteras un miracle. Amen. Tu enfanteras un miracle. Amen. Pendant que tu mets la main sur le ventre. Yes. Pendant que tu mets la main sur le ventre. Quelque chose va se passer. Yes. Je déclare. Yes. By fire. By force. By fire. By force. By fire. By force. By fire. By force. Je parle à 260 personnes. 260 personnes. 260 personnes. 260 personnes. Pendant que tu mets la main sur le ventre. Yes. Je déclare. Yes. Je déclare. Yes. Je déclare. Yes. De ce ventre. Yes. Sortira. Yes. Des miracles. Amen. Des prophètes. Amen. Des prophéties. Amen. Des oracles. Amen. Des bénédictions. Amen. Maintenant. Maintenant. Pendant que je parle. Yes. Puissance de Dieu. Localise. Commence à localiser. 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 Localise. Maintenant, maintenant. Localise. Ça a commencé. Hey. Ça a commencé. Localise. Ça a commencé. Localise. Je vois des gens. Yes. Là-bas, arrêtez là. Hey. Amenez-les ici. Yes. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Ça sortira. Ça sortira. Toute personne. Hey. Toute personne. Hey. Toute personne. Yes. Toute personne. Yes. Qui a déclaré. Tu as déclaré que tu ne te marieras pas. Hey. Tu as déclaré, yes. Que tu ne seras pas enrichi. Hey. Je prophétise. Yes. Le miracle viendra de ton ventre. Amen. Le miracle viendra de ton ventre. Amen. Tout ce qu'ils ont bloqué dans ta vie. Yes.
tout ce qu'ils ont bloqué dans ta vie. Yes. Je débloque la chose. Amen. 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 Lève tes deux mains. Yes. Je déclare. Yes. Par l'onction de Dieu. Tout ce que la tête a refusé. Hey. Tout ce que la tête a refusé. Hey. Le ciel. Yes. Le ciel te donnera cela. Amen. Je déclare. Yes. Je déclare. Yes. Je déclare. Yes. Ce que la tête a refusé. Yes. Le ciel te fait cela. Amen. Pendant que tu lèves tes mains, quelque chose va tomber sur tes mains. Yes. Quelque chose va tomber sur tes mains. Yes. C'est la provision. C'est la provision. Yes. Pour ton ministère. Amen. C'est la provision. Yes. Pour ton ministère. La provision. La provision. La provision. Je vois 25 personnes. 25 personnes. Être localisées. Localisées. Ça va tomber sur les mains. Provisionner. Ça va tomber sur les mains. Hey. Ça va tomber sur les mains. Maintenant. Soyez concentrés. Sois concentré. Saint-Esprit. Yes. Lève seulement les mains. Localise. Et tu es localisé. Localisé. Et tu es localisé. Localisé. Maintenant. 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 Localisé. Sous les mains. Sous les mains. Sous les mains. Reçois. Sous les mains. Reçois. Sous les mains. Reçois. Prends ta part. 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 Localisé. 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 Sous les mains. Reçois. 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 Prends. Reçois. Prends. Prends. C'est ça. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Transfert. Prends. Transfert. Prends. D'onction. Reçois. De puissance. Reçois. Prends. Reçois. Soulevez là. Hey. Reçois. Hey. Reçois. Hey. Reçois. Hey. Puissance de Dieu. Repli. Puissance de Dieu. Repli. Puissance de Dieu. Repli. Puissance de Dieu. Repli. Reçois. 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 Onction de Dieu. Repli. Libère. Libère. Restaure. Restaure. Délivre. Yes. Guéris. Yes. Prends ça. Maintenant. Prends. Maintenant. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Tout ce qu'on a mis dans ton corps. J'enlève. J'enlève. Yes. Et je mets sur la croix de Jésus. Yes. Et je déclare. Yes. Tu es restauré. Amen. Tu es délivré. Amen. Tu es guéri. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Prends ta part. Yes. Prends ta part. Yes. Prends ta part. Yes. Prends ta part. Yes. Prends ta part. Prends. Sous les mains. Yes. Je déclare. Yes. Pendant que tu lèves tes mains, église. Tu reçois ça sous les mains. Yes. Sous les mains. Reçois. 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 Sous les mains. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Tes mains feront les miracles. Tes mains guériront les malades. Yes. Tes mains délivreront les gens. Yes. Tes mains. Yes. Apporteront les solutions. Amen. Je dis tes mains. Yes. Apporteront les solutions. Amen. Je dis tes mains. Yes. 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 Prends, prends. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Sous les mains. Reçois. Sous les mains. Reçois. Sous les mains. Reçois. 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 Puissance de Dieu. Rempli. Sous les mains. Rempli. Sous les mains. Rempli. Sous les mains. Reçois. Sous les mains. Reçois. Sous les mains. Puissance. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je dis tes mains. Yes. Tes mains. Reçois. Je dis tes mains. Reçois. Je dis tes mains. Et reçois. Je dis tes mains. Reçois. Prends. Reçois. C'est ça. Reçois. C'est ça. Reçois. La provision. Reçois. La provision. Reçois. La provision. Reçois. La provision. Reçois. Au soir. Reçois. Au soir. Reçois. Au soir. Reçois. Au soir de Dieu. Rempli. Au soir. Rempli. Prends ça. Prends. Sur les mains. Reçois. 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 Sous les mains. Reçois. Sous les mains. Reçois. Sous les mains. Reçois. Prends. Rempli. Onction de Dieu. Rempli. Puissance de Dieu. Rempli. Sous les mains. Rempli. Sous les mains. Reçois. 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 Tu guériras. Yes. Tu vas guérir. Yes. Spirituellement. Tu guéris. Physiquement. Tu guéris. Dans tous les domaines. Tu guéris. Financièrement. Tu guéris. Reçois. 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 Prends ça. Yes. 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 Reçois. Reçois. Puissance de Dieu. Rempli. Puissance de Dieu. Rempli. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Tout ce que tes mains toucheront. Yes. Ça va prospérer. Amen. Pendant que tu lèves tes mains. Yes. Je bénis tes mains. Amen. Et je déclare. Yes. Tout ce que tes mains toucheront. Yes. Ça va prospérer. Amen. Tout ce que tes mains toucheront. Yes. Ça va marcher. Amen. À partir de maintenant. Amen. À partir de maintenant. Yes. Tes mains apporteront la solution. Amen.
tes mains apportera la solution. Amen. Je déclare, yes, par l'onction de Dieu. Yes. Par l'onction de Dieu. Yes. Par l'onction de Dieu. Yes. Tes mains feront des merveilles. Amen. Tes mains feront des merveilles. Amen. Ton travail portera du fruit. Amen. Pendant longtemps tu as investi et ça n'a pas marché. Mais je déclare ce soir, yes, tout investissement tu feras, yes, ça marchera. Amen. Ça réussira. Amen. Ça évoluera. Amen. Ça prospérera. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Disons merci à Dieu ce soir. Disons merci à Dieu ce soir. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci. Ô Seigneur, trois fois saint. Merci. Car tu y as donné. Merci, merci, ce que reconnaissant. Merci, 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 au Seigneur trois fois ça. Au Seigneur trois fois ça. Merci, car tu as donné. Car tu as donné. Et maintenant, que le pauvre dit, je suis riche. Que le faible, dit, je suis fort. Car Dieu a fait. Merci. Je déclare ce soir, pendant ton mouchoir sur la tête, je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ta vie. Dieu essuiera toutes les larmes de ta famille. Amen. Dieu t'utilisera. Dieu t'utilisera comme l'ange envoyé à Marie pour annoncer les bonnes nouvelles aux membres de ta famille. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Yes. Tu reçois l'onction pour annoncer les bonnes nouvelles. Amen. À partir de maintenant. Yes. À partir de maintenant. Yes. Lorsque quelqu'un recevra une mauvaise nouvelle par un mauvais rêve, yes, par une affaire qui a mal tourné, ta parole à cette personne apportera la solution. Amen. Apportera, yes, la libération. Amen. Je prophétise. Yes. Église, je déclare. Yes. Je déclare. Yes. À partir de maintenant, ta bouche, yes, devient le distributeur de bonnes nouvelles. Amen. Je prophétise. Yes. Lorsque quelqu'un dans ta famille sera enchaîné, ta parole, yes, va le déchaîner. Amen. Lorsque quelqu'un dans ta famille, yes, sera oppressé, ta parole, yes, va le délivrer. Amen. Je parle à quelqu'un. Yes. Je parle à quelqu'un. Yes. Ta parole, yes, va changer l'histoire des membres de ta famille. Amen. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Tu deviens une plaque tournante. Yes. Tu deviens la pierre angulaire. Yes. Tu deviens la pierre qu'ils avaient rejetée. Mais qui devient la principale de l'angle. Yes. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Physiquement, tu ne ressembles à rien. Physiquement, yes, tu n'as rien. Yes. Mais spirituellement, yes, tu es chargé. Amen. 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 Je déclare, yes, à partir de maintenant, les mauvaises paroles ne viennent plus de toi. Toutes les bonnes paroles viendront de toi. Amen. Tu béniras. Yes. Tu délivreras. Yes. Tu transformeras les vies. Amen. Dieu t'utilisera pour bâtir. Amen. Dieu t'utilisera pour construire. Amen. Dieu t'utilisera pour libérer. Amen. Il t'utilisera pour transformer. Amen. Il t'utilisera pour restaurer. Amen. Reçois cette onction. Yes. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Yes. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci, merci pour ton autorité.
Reçois l'honneur et la gloire ce soir. Au nom de Jésus. Dis Amen bien. Amen. Dis encore Amen. Amen. Une dernière fois Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus bien? Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zhang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousse au fin cimetière, derrière la station Petrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui.